Dans cette vidéo, nous allons explorer un outil puissant pour débloquer ton potentiel et atteindre tes objectifs, la détox de dopamine. Si tu te sens coincé dans ta vie, avec de grands rêves, mais sans savoir comment les concrétiser, cette vidéo est pour toi. Imagine un monde où tu peux te concentrer pleinement sur une tâche, sans être constamment distrait par les notifications de ton téléphone ou les vidéos sans fin sur YouTube. Ce monde est à ta portée, et la détox de dopamine peut y conduire. Au cours des prochaines minutes, nous allons découvrir comment la détox de dopamine peut t'aider à retrouver le contrôle de ta vie, à améliorer ta concentration et à progresser vers tes objectifs. Nous explorerons les quatre piliers de la détox de dopamine et je te donnerai des conseils pratiques pour mettre en œuvre cette stratégie dans ta vie quotidienne. Prépare-toi à découvrir une nouvelle approche pour atteindre tes aspirations et à libérer tout ton potentiel. Mais, bien avant cela, nous explorerons l'importance de la concentration dans ce processus de détox de la dopamine. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu pouvais te concentrer pleinement sur une tâche pendant une période prolongée. La concentration est la clé du succès dans tous les domaines de la vie. C'est elle qui te permet de plonger profondément dans une activité, d'exploiter tout ton potentiel créatif et de produire des résultats exceptionnels. Sans concentration, tes objectifs restent hors de portée et tu te sens constamment distrait et inefficace. La concentration te permet de rester focalisé sur tes priorités, d'ignorer les distractions et de faire avancer tes projets de manière significative. Elle te permet également d'entrer dans un état de flow, où le temps semble s'écouler différemment et où tu es totalement absorbé par ce que tu fais. En cultivant ta capacité à te concentrer, tu deviens plus efficace, plus productif et plus épanoui dans tous les aspects de ta vie. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer comment la détox de dopamine peut t'aider à améliorer ta concentration et à retrouver un état de flow régulier. Prépare-toi à découvrir des stratégies simples, mais puissantes pour développer ta capacité à te concentrer et à atteindre tes objectifs avec succès. La détox de dopamine comme un outil de concentration. Imagine un outil puissant qui peut réinitialiser ton cerveau pour te permettre de retrouver ta concentration et de te rapprocher de tes objectifs. Cet outil existe et il s'appelle la détox de dopamine. La détox de dopamine n'est pas juste une mode passagère ou une méthode de productivité à la mode. C'est une stratégie éprouvée pour reprendre le contrôle de ta vie et maximiser ta concentration. En quoi consiste exactement cette détox? C'est un processus visant à réduire ton exposition aux stimuli externes qui déclenchent la libération de dopamine dans ton cerveau, comme les réseaux sociaux, les vidéos en ligne et d'autres distractions numériques. En limitant ces sources de stimulation, tu peux réinitialiser ton seuil de satisfaction et te recentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Pendant la détox de dopamine, tu vas probablement ressentir un certain inconfort au début. Tu seras tenté de vérifier ton téléphone compulsivement ou de te laisser distraire par des vidéos divertissantes. Mais c'est précisément cette résistance initiale qui rend la détox de dopamine si puissante. En apprenant à contrôler tes impulsions et à te concentrer sur une seule tâche à la fois, tu développeras une force mentale et une discipline qui te serviront dans toutes les facettes de ta vie. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble un plan d'action concret pour mettre en œuvre une détox de dopamine efficace et réinitialiser ton cerveau pour la concentration et la réussite. Prépare-toi à découvrir des stratégies simples, mais efficaces pour éliminer les distractions, cultiver ta concentration et atteindre tes objectifs avec détermination avec les quatre piliers de la détox de dopamine. Comme ça, tu es sur le point de découvrir les quatre piliers fondamentaux qui soutiennent une détox de dopamine réussie. Ces piliers sont les fondations solides sur lesquelles tu vas construire ta nouvelle routine de concentration et de productivité. Commençons par le premier pilier qui est de limiter le temps d'écran mobile. Imagine-toi comme un explorateur intrépide naviguant sur les mers tumultueuses de la technologie. En réduisant le temps passé sur ton téléphone, tu libères ton esprit des chaînes numériques et ouvres la voie vers une concentration inébranlable. Ensuite, le deuxième pilier est d'éliminer l'usage abusif de YouTube. Prends-toi comme un ninja de la concentration, esquivant les tentations de vidéos sans fin. En fermant la porte à YouTube, tu ouvres une fenêtre sur un monde où ton temps et ton attention sont des trésors précieux. Pour le troisième pilier, nous avons l'abstinence au contenu pour adultes. Imagine-toi également comme un athlète mental, renforçant ton esprit en évitant les contenus nuisibles. En choisissant des sources de divertissement saines, tu nourris ton cerveau avec de l'énergie positive et de la clarté. Et enfin, nous voici au quatrième pilier qui n'est rien d'autre que la pratique de la méditation quotidienne. Imagine-toi comme un sage dans la tranquillité de l'esprit, cultivant la paix intérieure. En prenant quelques instants chaque jour pour méditer, tu nourris ton âme et tu entraînes ton esprit à être présent et concentré. Voilà, mes chers amis, les quatre piliers de la détox de dopamine. En limitant le temps d'écran mobile, en éliminant l'usage abusif de YouTube, en s'abstenant des contenus pour adultes et en pratiquant la méditation quotidienne, tu ouvres la porte à une vie de clarté mentale et de concentration inébranlable. Et ce n'est pas tout.
Comme autre bénéfice de la détox de dopamine. Tu comprends déjà que la détox de dopamine est un peu comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de ton cerveau. Imagine ça, tu te lances dans cette aventure, tu te donnes à fond pendant 7 jours, et ensuite, tu commences à voir les résultats. Mais attends, quels résultats ? Eh bien, laisse-moi te parler des bénéfices incroyables que tu vas récolter après avoir fait cette détox. D'abord, tu vas découvrir une sensation de calme et de clarté mentale que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Tu sais, cette sensation d'avoir l'esprit libre des distractions incessantes qui te tourmentent habituellement. C'est comme si ton cerveau prenait une grande bouffée d'air frais après avoir été confiné dans une pièce étroite pendant des années. Ensuite, tu vas remarquer une augmentation significative de ta capacité de concentration. Tu pourras enfin te plonger dans une tâche pendant des heures sans te laisser distraire par ton téléphone ou par des vidéos sans fin sur YouTube. Et crois-moi, cette capacité de concentration, c'est comme une superpuissance dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. La détox de dopamine va aussi te permettre de redécouvrir le plaisir dans les choses simples de la vie. Tu vas commencer à apprécier les petits moments, comme une promenade sans musique dans les oreilles, ou juste contempler le paysage sans sentir le besoin de le partager sur les réseaux sociaux. C'est comme si tu retrouvais une connexion profonde avec le monde qui t'entoure. Et enfin, tu vas développer une résilience mentale incroyable. Tu seras mieux équipé pour faire face aux défis de la vie quotidienne, car tu auras appris à te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Tu seras plus confiant, plus discipliné et prêt à affronter n'importe quoi. En résumé, la détox de dopamine, c'est bien plus qu'une simple pause dans ta routine quotidienne. C'est une opportunité de transformer ton cerveau, de retrouver ta concentration, de redécouvrir le plaisir dans les petites choses et de développer une résilience mentale à toute épreuve. Alors, prêt à relever le défi et à récolter ces incroyables bénéfices ? Passer de la détox de dopamine au mode moine. Alors, tu as survécu à la détox de dopamine. Félicitations ! Mais maintenant, tu te demandes peut-être, et après ? Eh bien, c'est là que la transition vers le mode moine entre en jeu. Imagine ceci, tu as nettoyé ta maison mentale, tu as retrouvé ta concentration, tu as redécouvert le plaisir dans les petites choses de la vie. Maintenant, il est temps de passer à la prochaine étape, le mode moine. Qu'est-ce que le mode moine, me demandes-tu ? C'est un peu comme entrer dans un sanctuaire intérieur, un espace où tu te libères encore plus des distractions du monde extérieur. C'est un état d'esprit où tu choisis intentionnellement la simplicité, la tranquillité et la pleine conscience dans tout ce que tu fais. En pratique, cela signifie peut-être passer moins de temps sur les réseaux sociaux, choisir des activités qui nourrissent ton esprit et ton âme plutôt que de te laisser submerger par le bruit constant de la vie moderne. Peut-être que tu te lances dans la méditation, que tu fais plus de promenades dans la nature ou que tu passes du temps à lire des livres qui t'inspirent. Le mode moine, c'est aussi un rappel constant de l'importance de la gratitude et de la compassion. C'est reconnaître la beauté dans chaque instant, même les plus simples, et cultiver un sentiment de bienveillance envers toi-même et envers les autres. Alors, prêt à embrasser le mode moine ? C'est une invitation à vivre plus consciemment, plus intentionnellement, et à trouver la paix dans un monde qui semble parfois chaotique et bruyant. Ensemble, agissons maintenant. Réfléchis à ce que tu as appris. Intègre de petits changements, pause sur les réseaux, plus de temps dehors, pleine conscience. Partage tes découvertes, rejoins des communautés. Chaque pas compte. Créons un mouvement vers une vie équilibrée. Lance-toi avec détermination. Le monde t'attend.